C'est Lucie. Aujourd'hui, on est le lundi 15 mars au soir et on se retrouve pour un unboxing. Alors, je suis trop contente puisque non, ce n'est pas noté sur le carton, bizarrement, mais c'est un unboxing de Diamond Art Club. Alors moi, j'ai pas le petit carton où c'est écrit Diamond Art Club, mais on s'en fiche. Donc ça m'a été livré par mon facteur. J'ai commandé ces toiles, donc j'ai deux toiles dedans le 1er mars. Et donc je les ai reçues le 15 aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'elles sont chez moi depuis ce matin, j'ai pas pu faire l'unboxing plus tôt. Donc voilà. Donc, pour la petite histoire, on sait que c'est un peu la folie DAC, un peu moins peut-être en ce moment, mais pendant un moment ça a été la folie un peu DAC hein, sur YouTube. Et du coup, moi, je voulais pas commander pour pas... j'aurais commandé plus tard, attendre que la vague passe. Et puis, du coup, ça faisait déjà plusieurs fois que j'allais sur leur site, hein, regarder les toiles, et il y avait rien qui... Enfin, il y avait de très belles toiles, mais il n'y a rien qui m'avait donné envie de commander tout de suite. Et là, je suis tombée sur une toile. Ben, j'ai craqué. Et du coup, je me suis pris deux toiles pour éviter les frais de port, et parce que la deuxième me plaisait aussi, hein. Sur le site de DAC, de Diamond Art Club, vous avez les frais de port offerts à partir de 62 euros d'achat. Donc, et les frais de port, ils ne sont pas donnés. Hein. Je me demande si ce n'est pas 11 ou 12 euros si vous avez des frais de port. Donc, autant vous dire que voilà, c'est quand même plus valable de commander deux toiles. Donc, on va faire cet unboxing en deux parties. Hein. Là, on va unboxer celle que j'ai vraiment craqué. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors avant que j'oublie, je vous mets ça en barre d'infos. J'ai un code promo pour ceux que ça intéresse. Vous avez 15% sur votre commande avec le code promo que je vous mets en barre d'infos. En fait, le code promo, si vous l'utilisez, je crois que c'est. Alors attendez, je regarde. De toute façon, je vous remets ça en barre d'infos. Le code promo, c'est LucieDP en majuscule. Sans espace, et du coup si vous le prenez, vous avez 15% sur votre commande, mais il ne marche qu'une fois pour vous. Plusieurs abonnés peuvent le prendre, il n'y a pas de souci, mais il ne marche qu'une fois par abonné. Et moi, du coup, je m'en suis servi, j'ai pris celui d'Hélène et j'ai eu quand même une réduction de presque 12 euros, je crois, hein, donc c'est quand même valable. Faut pas hésiter si ça vous intéresse. Alors les deux toiles. Donc je sors celle qui m'intéresse. J'essaye de pas vous la voir. Elle est grosse. Elle est grande. Alors, je suis trop contente. Ah, c'est vrai que la boîte elle en jette. Hein. Je vais prendre mon temps. Hein. Je vais savourer pour cet unboxing. Alors vous en avez déjà sûrement vu des dizaines et des dizaines sur YouTube. Mais moi, c'est mon prince. Alors, autant vous dire que je prends mon temps. Alors, cette toile-là, c'était mon coup de cœur. Elle était en précommande, donc je l'ai... En plus, première commande chez DAC, moi, c'est une précommande. Donc, une précommande, c'est-à-dire qu'elle est disponible pour l'achat, mais elle ne sera envoyée que quelques jours plus tard. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais, elle est trop belle, trop belle. Bon, je vous la fais voir. C'est Undersea Dreaming de Mandy Manzano. Et c'est ma petite Ariel. Regardez-moi ça. Je voulais la faire voir mieux que ça, mais... Oh, ma petite Ariel. Alors, sur la boîte, déjà, on va détailler la boîte. Hein. Elle est grande, hein. Vous avez vu par rapport à ma main. La boîte, elles sont top. Je vais la garder, ça c'est sûr. Donc du coup, sur Diamond Art Club, vous avez deux boîtes différentes. Vous avez celle où il y a les ronds. En rouge, donc c'est des diamants ronds, et celle où il y a des carrés, donc là mon autre boîte, moi elle est bleue avec un carré, voilà, donc celle-ci, moi, ce sont des diamants ronds. Ensuite vous avez l'image, alors avec le titre du DP et l'artiste qui l'a faite, parce qu'il faut savoir que Diamond Art Club, c'est un peu plus cher au niveau des toiles parce qu'il rémunère les artistes, donc voilà, on sait que l'argent va aux artistes qui font les toiles. Et en dessous, ils vous mettent ici, donc rond,
La taille, donc c'est une 47 par 78. Il faut savoir que chez Diamond Art Club, moi c'est un peu le reproche que je leur fais. Vous ne pouvez pas choisir si vous voulez carré ou rond. Vous prenez ce qu'il y a. C'est cette toile-là, elle est en rond, cette toile-là, elle est en carré, vous ne pouvez pas choisir. Voilà. Il faut le savoir. Et vous ne pouvez pas non plus choisir la taille. Donc après, au niveau de la taille, moi je pense qu'au niveau des images, ils savent quand même y faire. Donc je suppose que le rendu est pas mal. Moi, celle-là, c'est une grande. Je vois l'autre est plus petite. Mais en fait, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est énorme la taille. Oh! Et du coup, ouais, effectivement, vous ne pouvez pas choisir le type de diamant, c'est un peu dommage. Alors ensuite, donc là, Diamond Art Club. Et là, qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Ils vous disent comment ça marche. Le contenu du kit. Donc en français ici. Et voilà. Moi, je dis, on va pouvoir ouvrir. Oh, je suis trop contente. Ouais. Là, je vais savourer. Hein. Et puis c'est un Ariel quoi. Enfin, je suis pas fan de toutes les toiles de Mandy Manzano, hein, mais celle-là, je pouvais pas passer à côté celle-là. Non, 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 non. Donc, Undersea Dreaming, ça veut dire rêve sous-marin en clair. Hein. Alors, on y va. Mon premier diamant d'arc, je suis trop contente. J'espère que c'est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on entend. Alors, dedans, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai le toolkit. On a une première feuille, la toile. Oh là là là. Là, c'est bon. Et alors, j'ai dit que je gardais la boîte, donc on va éviter de la casser. Et une autre petite vignette. Alors, sur la vignette, ici, c'est un sticker, en fait, qui se décolle, hein, voilà. Et ça reprend le titre, l'artiste, l'image, et puis la taille. Voilà. Ça va être magnifique. Magnifique. Ensuite, ils vous mettent... Excusez-moi, je vous ai mis en pause, j'ai atchoumé. Bref. Ensuite, on a une deuxième feuille. Donc, on reprend toujours pareil, hein, le type de diamant rond, la taille, l'image. Donc là, vous voyez l'image. Oh, elle est trop belle. Petite Ariel. Et là, ils vous mettent le titre et l'artiste. Et là, quand est-ce que vous l'avez commencé? Quand est-ce que vous l'avez fini? Donc, ceux qui font des carnets de suivi, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez... les couleurs avec le nombre de couleurs, donc moi là j'ai 39 couleurs, les symboles, les DNC et tout est autocollant. Voilà, regardez. Voilà. Donc pour ceux qui veulent coller sur leur boîte de rangement et tout ça, hop, je recolle. Alors, ensuite, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, DAC, leur particularité, c'est qu'ils mélangent des diamants, donc soit ronds ou carrés, donc normaux, avec des diamants de ce qu'ils appellent AB, donc aurore boréale, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est leur particularité. Donc, du coup, ils sont... Ce sont les chiffres avant 150. Donc moi j'ai le 126 et le 141. Donc logiquement il y a deux AB. Je ne sais pas si ça reprend sur la boîte. Non. Ok, ben on va regarder ça. Je découvre en même temps que vous, hein. Ça va être un peu long la vidéo, mais moi je savoure. Donc voilà, au niveau des petits papiers, le toolkit. Alors. Il y a deux toolkits différents. Il y en a un pour les ronds, un pour les carrés. En fait, tout est pareil, sauf que pour les carrés, il y a la pince. Donc, on verra ça dans l'autre unboxing, puisque l'autre est un carré. Donc là, pour les ronds. Donc, on a un petit stylet bleu. On a une barquette, alors vraiment petite, hein, transparente. Est-ce que j'en ai une là? Deux. Fun.
Ouais. Là, c'est une de Home Fun. Voilà. Elle est un petit peu plus petite. Pas de grand chose, mais. Ouais, pas de grand chose, hein, vraiment. Au niveau de la taille, donc transparente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a. Bon, c'est le bordel, hein. On a des sachets zippés. Alors, on en a pas mal. Hein. J'ai tout un paquet. On a deux pains de colle en forme de cœur. Voilà, donc le pain de colle classique. Hein, c'est juste la forme qui diffère. On a une kick mousse et on a un multiplaceur de 4. Voilà. Donc le toolkit est, voilà, hein, on le retrouve ailleurs. Hein, il casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Voilà. Et là, on va découvrir la toile. Et toi, je fais de la place. Alors. C'est parti, mon kiki. Je vais essayer de vous baisser, ça sera mieux. De toute façon, je pense que vous n'allez pas l'avoir en entier, il va falloir que je déplace. Alors, paraît-il que le toucher de la toile, c'est très très doux. On va voir ça. On va voir ça. Ah oui, effectivement. On dirait du velours. C'est très très bizarre. Enfin, très très bizarre, c'est très très c'est super doux. Je n'ai jamais eu ouais, jamais eu ce toucher là sur mes toiles. Donc on voit que c'est dentelé. Hein. Donc et bien, on va découvrir. Hein. On va la découvrir, ma petite Ariel. Alors, elle est tellement grande. Oh, j'ose même pas l'ouvrir. Suspense. Oh là 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 là. Oh, elle est belle, mon Ariel. Oh, je vais vous la faire voir mieux que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est trop belle. Franchement, oh, puis les symboles, c'est un truc de fou. Franchement, il faut en avoir un pour... ça colle super bien. Il faut en avoir un pour comprendre. Ça brille. La toile, elle brille. Symbole, c'est voilà, j'ai pas besoin de tablette, nickel. Il faut vraiment en avoir un entre les mains pour comprendre. Parce que moi, j'en ai vu des unboxing back. J'étais là, oui, bon, bah voilà, c'est une toile. Non, non. Oh, on sent vraiment de la qualité supérieure. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? Step by step instruction. Donc là, savoir comment faire. Ok. Et j'ai un code de 10% sur ma prochaine commande, mais du coup, je ne peux pas vous la faire voir sur Internet. J'ai les diamants. Donc, les diamants gris. Alors, je vais vous déplacer déjà pour vous faire voir la toile. Quand même. Voilà. Que vous voyez correctement. Hop, je vous fais un peu naviguer. Pas évident avec le trépied. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. Petite Ariel. Enfin, petite Ariel. Elle est grande. Hein. Elle est magnifique. Au niveau des symboles, je vais essayer de vous faire voir. C'est pas évident parce que j'ai le trépied. Je vais vous faire voir plus. Voilà, je vous ai remis et je voulais juste vous faire voir au niveau des symboles. Je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. C'est bah c'est un peu flou pour vous là avec la vidéo, mais avec vous, en fait sur les caméras on voit pas le rendu, mais c'est magnifique. Je regardez-moi cette beauté, petite Ariel. Elle est superbe, elle est immense. Alors, du coup, sur la toile, on retrouve l'image, la table des matières, donc enfin, le nombre de couleurs, les symboles et les DMC. Enfin, la toile, elle est d'une... La texture, c'est... Alors, vous avez les deux côtés hein, pour la table des matières. Alors, c'est le 1 et 2. Ouais, ok. Alors, on va regarder les diamants.
Donc ça, je vais vous faire voir ce que c'est que les diamants AB. Je peux pas la faire tout de suite, j'ai d'autres projets. Alors, je pense qu'elle va être commencée très très vite. Alors, sur la pochette, ils vous mettent le nom du DP, Undersea Dreaming. Et au niveau du diamant, bon bah les couleurs, je vous les fais voir comme ça. Hein. De toute façon, on la fera ensemble celle-là, hein, je crois que c'est clair. Il y en a une qu'on doit faire ensemble, c'est celle-là. Hein. Et je vous cherche les diamants AB. Alors, 126, ouais, ah ceux-là, oh là là. Alors, j'ai des diamants AB, c'est un espèce de rose magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Les diamants AB, en fait, ils brillent. Ils ont des facettes et ça brille par rapport aux strass normaux. Vous voyez, la lumière, elle se réfléchit plus sur cela. Donc, j'ai cela et j'ai du blanc. Ça, c'est 141. Ouais. J'ai du blanc. Vous voyez comment ça reflète? Ça en fait un des diamants, je vous le dis moi. Je regarde vite fait, bah, du bleu forcément, hein, plein de teintes de bleu. Ils ont l'air super bien taillés. Bon après c'est des ronds, donc normalement il n'y a pas de souci. Oh là là. Ouais, ils sont vraiment beaux. 9,69. Ouais. Eh ben je vais m'éclater moi et tout ça. Et je suis trop contente. Ariel quoi. Ariel, elle est trop belle. Elle est magnifique. Oh, je l'adore. Je l'adore. Bah écoutez, j'espère que cet unboxing, ce premier unboxing DAC vous a plu. Moi je suis ravie. Donc je vous tourne le deuxième DP de DAC dans une autre vidéo que vous aurez plus tard. Mais je voulais absolument vous faire la petite sirène. Pour vraiment le premier DP DAC, parce que c'était vraiment mon coup de cœur. Voilà, bah écoutez, pour rappel, si vous êtes intéressé, le code, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!